Bonsoir, chers étudiantes, chers étudiants, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'accueillir pour cette neuvième conférence de notre cycle 2021 Sylvie Kaufmann, pour des raisons évidentes pour tout lecteur de ses chroniques hebdomadaires dans le monde, consacrées aux relations internationales, à la géopolitique, remarquées par leur finesse d'analyse toujours. Et puis je suis également heureux, mais cette fois pour une raison un peu plus personnelle, qui est notre attachement commun pour Marseille, ville où Sylvie est née, et ville qui est toujours un, un, un gage d'ailleurs et, et de grand large. Euh, André Suarez disait qui est né et a grandi à Marseille n'a pas besoin de partir, mmh. il est déjà parti. Il est parti dans sa tête et plus loin dans ce texte, il évoque l'ailleurs, ce départ vers l'ailleurs, qui est le nom du pays inconnu, le plus beau des pays. Et d'une certaine façon, Sylvie illustre cette formule après avoir été étudiante à la faculté de droit d'Aix, en Provence, à l'IEP, à l'Université de Bilbao et au centre de formation des journalistes, elle prend le cap. L'agence France-Presse, les bureaux de Londres, Nouméa, Varsovie, puis Moscou. On est en fin 87, et en 88, tu rejoins la rédaction du Monde comme correspondante à Moscou, et de 88 à 93, tu vas voir ce grand basculement stratégique. Euh, l'effondrement de l'union soviétique, l'implosion du pacte de varsovie, euh, la euh, renaissance sous forme de démocratie de toute une série de pays qui ont rejoint d'ailleurs depuis ou l'OTAN ou l'Union européenne et la transition de ces démocraties de ces pays vers la démocratie et l'économie de marché. Et puis après, on passe du vaincu au vainqueur d'une certaine manière parce mmh. que tu te retrouves aux États-Unis ce moment un peu particulier de de la Pax Americana, où les États-Unis sont un leader incontesté dans le monde, de 1993 à 2001, et 2001 sont les attentats du 11 septembre, ce qui explique aussi, je pense, la rédaction de tes livres un an après, le 11 septembre, aux éditions de l'Aube. Tu reviens à Paris à la rédaction, et notamment dans les équipes des grands reporters, puis comme chef du service enquête-reportage. Euh, assume la direction euh, adjointe de la rédaction avant de repartir comme grand reporter Asie euh, euh, basé à Singapour en 2009. Et ça me permet de saluer la mémoire de quelqu'un qui est un grand journaliste euh, et avec qui tu as coécrit euh, un ouvrage sur l'Asie sur euh, et plus particulièrement sur la Chine, l'arrogance chinoise chez, chez Fayard, euh, Eric Israeliewicz qui a été grand journaliste et, et aussi directeur. Euh, de plusieurs journaux dont le monde. Je n'en ai écrit que la préface, je dois dire. C'était quand même c c important un par rapport oui, au fond au, au questionnement qu'on a et, et qui nourrissent aujourd'hui tes chroniques, que ce soit sur les dernières, sur la, la, la montée de la Chine, l'arrivée au pouvoir de Biden, les problématiques du, du Covid. Mais si je poursuis ta carrière avant d'arriver à, à ces dernières chroniques, tu as été aussi... Euh, la première femme à occuper le poste de directrice de la rédaction, de la rédaction du monde. Et donc, euh, ces chroniques que j'évoque qui euh, rythment euh, les, les, la réflexion qu'on a sur un certain nombre de, de grandes questions, j'évoquais le Covid, mais la place de l'Europe, euh, et au fond, une de tes tribunes qui disait au fond, le monde d'après, il est déjà là, avec euh, déjà des vainqueurs. Euh, déjà des perdants, en tout cas en termes de soft power pour l'Europe, qui a perdu la bataille des vaccins, et des incertitudes sur l'arrivée au pouvoir de John Biden. Alors, aujourd'hui, pour cette conférence, tu as choisi de traiter d'un sujet, un disrupteur nommé Macron, ambition de sa politique extérieure et réalité. Il y avait une de tes tribunes de janvier qui était intitulée Donald Trump, le président insurrectionnel. Euh, Est-ce qu'il y aurait une tribune euh, Macron, euh, le président disrupteur, enfin, en tout cas <laughs> peut-être à l'issue de cette, de, cette, de cette conférence Et ça rejoindra d'ailleurs une suite de portraits que tu avais donné également pour, pour le Monde. Euh, les règles, elles sont connues. Je, tu as la parole le, le temps que tu veux. Ensuite, on. on, on on débattra un, un petit peu euh, de, de ton sujet avant de passer la parole aux étudiants, à Maxime Leguet et à Laurent Prosperi, qui se sont auto-désignés euh, démocratiquement, je ne sais pas, ceux qui représentent en tout cas le séminaire euh, de master cette année et qui par ailleurs sont en ligne avec les internautes pour poser euh, des questions. Voilà, je te cède euh, bien volontiers la parole. Merci, cher Louis, merci infiniment. Euh... Euh, merci surtout de, de me donner l'occasion de, de parler, de participer à cette, ce cycle de conférences que j'ai suivi l'année dernière dans, dans un autre décor, mais celui-là est tout aussi magnifique, et j'avoue que quand tu, tu m'as proposé de... De participer à ces conférences, je me suis dit, c'était pendant cet hiver du Covid, je me suis dit, fin mars, on en sera sorti, je pourrais parler à des vrais étudiants, non pas que vous en soyez pas des vrais, mais nombreux, disons. Et, et puis voilà, en fait, j'étais trop optimiste, nous, commençons, nous entamons notre deuxième printemps sous le signe du Covid. Mais euh, voilà, donc les étudiants, j'espère, sont là, je ne vous vois pas. Euh, il y en a deux, heureusement, qui vous représentent et, et on va quand même euh, euh, se pencher sur, ensemble sur ce sujet passionnant qui est euh, est-ce que euh, Macron, en effet, Emmanuel Macron, ce président disrupteur, a, a réaffirmé ou non le rôle stratégique de la France est a, Comment est-ce qu'il a essayé et, 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 et où est-ce qu'il a fait progresser ce rôle et où est-ce qu'il l'a fait peut-être régresser euh, Alors c'est vrai qu'il s'est présenté lui-même, euh, Emmanuel Macron, comme, comme disrupteur en fait sur la, sur la scène politique et internationale lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il a fait irruption sur cette scène en 2017, à un moment de grande tension intérieure et extérieure. Euh, et, et à un moment où personne ne l'attendait d'ailleurs il est, est lui-même le fruit de la disruption politique euh, en rupture avec les schémas intérieurs et, et sur, euh, sur la scène internationale sur euh, le fond de, sur fond de grands bouleversements, euh, sur lesquels il a, il a assis sa vision du, du rôle stratégique de la France, un rôle qui définit de manière assez classique, hein, mettre la France au cœur du jeu diplomatique. Je vais donc euh, explorer avec vous ses ambitions et ce, euh, et ce à quoi elles ont abouti ou non, pour ne pas qu'on puisse déjà faire un bilan définitif, bien sûr, mais enfin, bon, on est déjà à peu près au, au 4-5e de, de ce quinquennat. Euh, je, je, je ferai donc cette exploration en, en quatre étapes, si vous le voulez bien. D'abord, en introduction, je vais essayer de décrypter la méthode Macron, sa vision du monde, les constats qui l'ont amené à déterminer ses priorités pour renforcer la voix et le poids de la France. Euh, puis, j'examinerai la, la mise en œuvre de cette politique extérieure à travers trois grands axes qui me paraissent les plus structurants. Euh, premièrement, l'Europe, plus particulièrement la, la souveraineté européenne. On peut dire, on peut appeler ce, cette partie Macron l'européen, pour faire euh, simple et journalistique. <laughs> Deuxièmement, euh, la relance du multilatéralisme, Macron le diplomate. Et troisièmement, l'Afrique, avec la volonté d'un partenariat fondé sur de nouvelles bases. Et là, on aura Macron l'Africain, n'est-ce pas <laughs> Voilà. Alors, c'est évidemment pas une, une liste exhaustive, et il y a, il y a inévitablement des, des thèmes de politique étrangère que j'aborderai, que je n'aborderai qu'en qu passant et voire peut-être pas du tout. Euh, mais je crois qu'il s'agit euh, vraiment là de, de, de trois domaines qui reflètent bien le, le volontarisme de, de ce président. Alors donc, d'abord. Comment est-ce que ce président voit son rôle euh, et celui de son pays euh, en, en 2017 Il n'est pas inutile de rappeler que quand il arrive à l'Élysée, pour commencer, il n'a que 39 ans. Euh, C'est important parce que cela le place dans un rapport à l'histoire, euh, à l'histoire du XXe siècle, très différent de ses prédécesseurs. Emmanuel Macron est né en décembre 1977, ça veut dire sept ans après la mort du général de Gaulle, bien après la guerre d'Algérie et la décolonisation. Il avait quatre ans lorsque Mitterrand a été élu. Il n'avait même pas douze ans lorsque le mur de Berlin est tombé. Il n'est pas non plus inhibé par le non au référendum européen de 2005 comme avait pu l'être François Hollande. Il est donc d'une génération qui lui permet d'aborder cette phase de décomposition de l'ordre international. Au XXIe siècle, sans le poids du siècle, sans le bagage du siècle précédent, et il va s'en servir, notamment euh, à l'égard de, des relations avec l'Afrique. Pour autant, c'est un observateur, érudit et attentif de l'histoire, et il n'entend pas renier celle de la Ve République. Il se veut agile, ouvert, pragmatique, euh, mais il est aussi héritier d'un classicisme dont il se revendique, celle celui d'une France. Euh, qui veut faire entendre sa voix et défendre ses intérêts, notamment au sein des alliances, tout en restant ferme sur les valeurs euh, héritées des Lumières. Il y a un mot qui revient euh, très régulièrement dans son vocabulaire, j'ai remarqué, c'est vassal. Euh, et ce, ce statut de vassal, c'est un statut dont il ne veut euh, ni pour la France ni, ni pour l'Europe. Voilà, alors les journalistes relèvent au début Emmanuel Macron a placé une photo ou un, un tome des mémoires de, du général de Gaulle sur son bureau à l'Élysée. Euh, pendant la campagne électorale, il n'hésite pas à se réclamer de la filiation gaulo-mitterrandienne, ce qui suscite un débat passionné entre experts et historiens sur la réalité de son appartenance à ce camp ou bien à celui des néoconservateurs. Euh, voilà, je, je passerai là-dessus. Je vous recommande à ce sujet l'article de, de Justin Weiss dans la, dans la revue Esprit fin 2017 et le, puis la réponse d'Hubert Védrine. En réalité, cette grille de lecture est, est largement de, qui, qui remonte à la guerre froide est, est largement dépassée. Emmanuel Macron, lui, il va au-delà de ses clivages traditionnels. Il rejette, il rejette en tout cas l'idée néoconservatrice d'imposer la démocratie par l'intervention, il approuve le refus de, de Jacques Chirac d'avoir suivi les États-Unis de suivre les États-Unis en Irak en 2003 et il pense que l'intervention en Libye était une, une erreur historique. Et il pense aussi que le recul d'Obama en 2013 euh, de punir la Syrie pour son utilisation d'armes chimiques a eu des conséquences très graves pour la crédibilité des Occidentaux. Et il s'engage à faire respecter cette ligne rouge, ce qui sera effectivement le cas euh, à propos toujours de la, de la Syrie. Sur la méthode, en revanche, il n'est ni gaulliste, ni, euh, ni gaullien, ni mitterrandien. Et il est parfaitement de son temps. Il joue à fond de sa jeunesse, des symboles, de la mise en scène et de la communication qu'il contrôle étroitement. Il est très à l'aise en anglais et ne ressent aucun euh, sentiment d'infériorité au à l'égard des dirigeants qu'il rencontre pour la première fois. La deuxième fois, ils sont déjà amis de longue date. Il mise sur son charme personnel et son pouvoir de, per de persuasion qu'il qu pense immense. Il aime faire des coups, avoir de l'audace. À peine élu, si vous vous souvenez, il déboule dans le sein des saints des sommets internationaux, des sommets occidentaux, le sommet de l'OTAN, puis le G7 à Taormina en Italie, encore auréolé de sa victoire sur la vague populiste. C'est aussi le premier sommet international de Donald Trump. Et on assiste à cette scène extraordinaire qui se voulait virile, mais. Qui était en fait un peu puéril, euh, de la poignée de main où, où Macron broie littéralement la, la main de Trump et on voit les, les télévisions <laughs> font un gros plan sur les, les jointures blanchies de, qui, de, de Trump qui, qui blanchissent sous la pression. Euh, ça ça n'empêche pas Macron d'inviter le président américain à Paris pour le 14 juillet, encore un symbole, alors que beaucoup dans le camp occidental à cette époque-là préfèrent le tenir à distance, Trump. C'est un, un joli coup qui vaudra à, à Macron d'être le premier dirigeant européen invité à Washington par Trump l'année suivante. Et ça ne fait même pas un mois qu'il est à l'Élysée qu'il reçoit Vladimir Poutine au Grand Trianon à Versailles, où il lui fait visiter en avant-première l'exposition sur Pierre le Grand, encore un symbole, avant de lui asséner devant la presse qu'il considère RT et Spoutnik comme des organes de, de propagande. Voilà, alors à cette époque-là, Macron a à l'extérieur l'image d'un d'un futur leader de l'Europe. J'ai retrouvé, cette, cette, en préparant cette conférence, cette, ce numéro de Time Magazine euh, que je vous montre. Le titre, le grand titre, c'est The Next Leader of Europe, le prochain leader de l'Europe. Et puis il y a une petite astérix, si seulement il peut diriger la France. Et c'est assez bien vu parce qu'on verra qu'après, ça va se révéler plus, plus compliqué. Voilà. Euh, et cette image, évidemment, euh, rejaillit sur, sur celle de la France. L'avenir montrera que ces deux présidents, Trump et Poutine, dont on, dont on vient de parler, euh, en fait, ont on donné beaucoup de fil à retordre à, à, à Macron, qui a sans doute surestimé son pouvoir de sédu séduction. Il maintiendra un canal de dialogue jusqu'au bout avec Trump, quand même, ce qui lui permettra de sauver la coopération dans la lutte antiterroriste, très important. Mais il n'aura rien d'autre, ni sur l'Iran, ni sur le climat, ni sur le commerce. Quant à Poutine, il n'en a rien obtenu, de, de l'aveu même de Florence Parly, la ministre des Armées. Voilà, alors Macron s'exprime beaucoup et longuement dans des discours, des interviews. Il y expose son, son diagnostic de l'état du monde qui est très sombre. L'environnement stratégique se dégrade rapidement. La France doit être prête à renforcer ses capacités de défense pour y faire face. La lutte contre le terrorisme, donc, reste une priorité. Le capitalisme est en crise. Les classes moyennes. Euh, sont, sont perdantes et doutent de la démocratie. La planète affronte les dérèglements climatiques. La révolution technologique et les réseaux sociaux ont introduit une sorte de dictature des émotions dans la politique. Et surtout, le multilatéralisme est en crise. Il est grippé, voire paralysé dans bien des instances, comme au Conseil de sécurité des Nations Unies. Euh, bref, ce cadre multilatéral hérité de 1945 s'effondre, il est contesté par les puissances émergentes comme la Chine et la Russie, il ne fonctionne plus, donc il va falloir le réinventer. Et, car si l'Europe ne le fait pas, la Chine le fera à sa manière. Ce sont des thèmes constants dans ses interventions, notamment devant, dans ses discours devant les ambassadeurs. Euh, il, euh, il y a le dernier a été en fait fait en 2019 puisqu'il n'a pas eu l'année dernière, mais là, il, il, c'était son conseil est de plus en plus sombre et, et, et il évoquait en 2019 l'hypothèse la, selon laquelle l'Europe pouvait disparaître entre les deux superpuissances américaines et chinoises si elle ne trouvait pas elle-même le chemin de la puissance ou, ou au moins de l'autonomie stratégique. Voilà, euh, la... je, je, je vais citer une phrase qui, qui, qui résume un peu sa mission. La vocation de la France est de tenter de bâtir un ordre nouveau où nos valeurs et nos intérêts ont leur place. Il en appelle à l'audace, à la prise de risque. La France est donc redevenue une force de proposition euh, avec un, un président dont à l'étranger on, on salue la capacité d'articuler une vision. Lui, il l'articule autour d'un triptyque sécurité, souveraineté, influence alors sur la souveraineté donc première, premier grand axe de cette, cette politique euh, la souveraineté européenne hein. emmanuel macron a fait de l'europe un des principaux thèmes de, de sa campagne présidentielle on s'en souvient ses drapeaux pendant omniprésents l'hymne à la joie le soir de, de la victoire au louvre euh, il juge la, la relance de l'europe essentielle pour, pour, pour renforcer la voix de la france et en cela, il rejoint une vision assez classique de l'Europe comme multiplicateur de puissance pour la France, ce qui rend inévitablement les autres Européens soupçonneux. Sa, sa stratégie européenne euh, comporte trois volets principaux, le pilier franco-allemand, les réformes institutionnelles et l'autonomie stratégique. Sur le couple franco-allemand d'abord, euh, bien sûr, au sein de son pari sur l'Europe, euh, il y a le pari sur le moteur franco-allemand. Euh, il rencontre tout de suite Angela Merkel, qui l'a vu pendant la campagne d'ailleurs, et, et à cette occasion, elle cite euh, l'écrivain euh, Hermann Hesse qui dit Au début de toutes choses, il y a un charme. Et visiblement, au début, euh, le charme opère. Macron fait savoir, urbi et torbi, qu'il veut réformer la France et son économie. C'est un discours qui plaît beaucoup à Berlin. Malheureusement, les choses ne vont pas, pas se, se passer comme prévu. Macron prononce son grand discours fondateur sur l'Europe à la Sorbonne le 26 septembre 2017, 90 minutes, des dizaines de propositions. Et il a pris soin d'en informer, informer Berlin, euh, d'informer Berlin de son, de, du contenu de ce discours préalablement. Il a pris soin aussi d'attendre deux jours après les élections allemandes pour ne pas troubler la campagne. Mais les résultats des élections sont, euh, traumatisantes pour, euh, sont traumatisants pardon, pour la CDU avec l'entrée de l'AFD d'extrême droite au Bundestag, et Angela Merkel s'embarque dans six mois de négociations pour former une coalition gouvernementale. Six mois pendant lesquels la dynamique de la transformation de, de l'Europe, lancée par la victoire de Macron, s'effondre. Les propositions de la Sorbonne sont accueillies par un, un silence assourdissant euh, à Berlin, et lorsque, enfin, en mars 2018, un gouvernement allemand voit le jour, le moment politique est passé en Europe, la magie est retombée et le charme n'opère plus. Voilà, donc parti tout feu, tout flamme, Macron découvre les, les aléas de la relation franco-allemande, ses hauts et ses bas et ses frustrations. Il n'arrivera pas à arracher à Berlin l'ampleur de la réforme de la zone euro qu'il a placée en tête de ses propositions de la Sorbonne, les divergences s'accumulent. Berlin et Paris s'affrontent sur des questions d'exportation d'armement et d'autres. Et au bout de deux ans, Macron parle plutôt de confrontation féconde dans le, dans le tandem. En réalité, lassé de ces difficultés, il ajuste sa stratégie. La nouvelle Doxa courant 2019, c'est que, que la relation franco-allemande est indispensable, mais pas suffisante. Le président français multiplie alors les visites bilatérales dans les autres capitales européennes. Y compris les plus reculés euh, à l'est, au nord, pour cultiver d'autres appuis, réparer les oublis, euh, dissiper, tenter de dissiper les malentendus. Cet ajustement se révèle euh, fructueux et permet notamment à Macron de se trouver moins isolé, ce qui a été euh, un, un problème assez constant euh, dans, dans, sa, dans sa présidence à de, de, par rapport à ses, ses partenaires européens. Donc finalement, au moment où Merkel s'apprête à, à, à quitter la scène politique, quel, quel bilan de, du, du franco-allemand peut-on faire pour Macron eh bien, En réalité, paradoxalement, il est assez positif, mais surtout grâce au Covid, qui lui a permis de remettre, de remettre le tandem au centre du fonctionnement de l'Europe. Et on va voir comment. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est un, un développement, une évolution intéressante. Deuxième point sur cette, sur cette souveraineté européenne, les réformes. Euh, institutionnel je, je vais passer assez vite là parce que je, je, euh, en réalité, euh, le bilan est, est, est là assez mitigé. Ce sont des réformes qui visaient à, à renforcer l'intégration européenne, qui, qui est l'un des objectifs stratégiques de, de Macron. Mais euh, les nuages se sont euh, amoncelés sur l'horizon politique européen. Là, en Italie, la coalition Ligue 5 étoiles est arrivée au pouvoir, alors que c'est un pays fondateur de, de l'Union européenne. Macron lui-même a affronté ce, ce, long, ce long hiver des Gilets jaunes qui qui vont faire considérablement, qui vont cons faire considérablement son étoile et, et, et celle de la France par la même occasion sur la scène européenne et internationale. Voilà, donc il a, il a obtenu quelques, quelques résultats, mais euh, sur la gouvernance de la zone euro, sur le budget de la zone euro, c'est euh, très, ça, ça n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il voulait. Le projet des listes transnationales aux, aux élections européennes ne verra pas le jour, pas plus que la taxe sur les transactions financières. Enfin voilà, c'est un, un bilan assez décevant pour, pour lui et pour la France. En revanche, là où il marque des points pour l'influence de la France, c'est dans la négociation très serrée pour le renouvellement de ce qu'on appelle les top jobs de, de, dans la gouvernance européenne en 2019 après, après les élections. Donc, euh, euh, il arrive à. à, à Terminer cette cette négociation avec Christine Lagarde à la tête de la BCE, Ursula von der Leyen qui l'a proposé lui-même à Merkel pour présider une commission à laquelle elle prête l'ambition de devenir géopolitique, ce qui assez ce qui est un pas en avant du point de vue macronien si je puis dire. Il obtient aussi son allié Charles Michel comme président du Conseil européen et José Borrell au représentant pour la politique extérieure, qui, qui clame que l'Europe doit apprendre le langage de la puissance, même s'il constate tous les jours à ses dépens qu'elle <laughs> en est loin. Euh, voilà, euh, il y a aussi euh, la nomination de Thierry Breton à la tête d'un portefeuille, après le revers infligé par le rejet de la candidature de Sylvie Goulard, mais euh, Thierry Breton se trouve à la tête d'un portefeuille important qui englobe l'industrie de la défense. Donc euh, finalement, cet attelage est assez favorable à la France et, et, et va se révéler précieux dans la... Dans le principal épisode de la crise du Covid, qui de manière donc contre-intuitive va servir la cause de la souveraineté européenne, du moins jusqu'à l'étape actuelle du, du vaccin. Et donc troisième troisième point de cette troisième dimension de cette souveraineté européenne, l'autonomie stratégique. C'est un point central évidemment. Euh, début 2020, il y a au moins, on peut dire qu'il y a au moins un domaine dans lequel Macron peut se targuer d'avoir fait avancer son agenda en plus du, de, de, de ses top jobs, et, et sur lequel il affirme avoir fait évoluer Angela Merkel, c'est celui de la sécurité collective. C'est pas tout à fait un hasard, en réalité, la, la dégradation du contexte géopolitique a contribué à la prise de conscience de, de la précarité de la position de l'Europe avec le retrait américain. Euh, sous la présidence Trump, le départ de la Grande-Bretagne avec le Brexit, l'ascension de la Chine, l'agressivité de la Russie. Euh, donc tout ça contribue à, à, ce, à, la, à la montée de, ces, de ce sujet de la, de la sécurité collective dans, dans la mentalité des dirigeants européens. Euh, dans l'agenda de Macron, ce qu'il obtient, c'est un fonds européen de défense qui est mis sur pied au sein du budget de l'UE, de l'Union européenne, une coopération structurée permanente qui permet... Aux 25 États volontaires d'engager des projets communs en matière de défense. Et puis la France crée l'initiative européenne d'intervention, qui est un format intéressant parce qu'il embarque la Grande-Bretagne malgré le Brexit et qui est plus, c'est un format qui est potentiellement plus opérationnel que cette coopération à 25 car il est, il est limité, lui, à une, une dizaine de pays. Voilà, Paris et Berlin ont aussi lancé des, des, des équipements de défense communs, le char du futur et puis le SCAF, le système du combat aérien du futur. C'est un programme de 100 milliards d'euros qui est un peu enlisé en ce moment dans les discussions entre les, les maîtres d'œuvre d'assaut aviation et Airbus, mais il faut souhaiter qu'il sorte de cet enlisement car les enjeux pour la souveraineté européenne sont, sont considérables. Le, le chasseur américain F-35, qui est livré depuis 2015 à, à 11 pays, dont 5 euh, européens, euh, menace d'imposer ces normes aux alliés de Washington dans le monde entier. Euh, Emmanuel Macron pense volontiers que Donald Trump a une, une vision tout à fait mercantile de l'OTAN, euh, qui est Je vous, pro je vous protège, et en échange de quoi, vous n'achetez que du matériel américain. C'est ce que Florence Parly a traduit à sa manière en disant La solidarité dans l'OTAN, c'est l'article 5 pas l'article F35. Voilà, parce que c'est bien dans ce cadre d'autonomie stratégique ou, de, ou de, de souveraineté européenne que ces efforts, tous ces efforts s'inscrivent. Macron affirme avoir inauguré, comme il dit, ce concept dans son discours de la Sorbonne, mais en réalité, il a déjà été introduit depuis 2013 dans la, dans la grammaire communautaire et même en, en 2016 au Conseil européen. Ce qui est vrai, c'est que c'est Macron qui va le populariser et l'imposer euh, au centre de la conversation européenne, au point d'en faire un objet de débat intense euh, et même euh, un objet de controverse qui montre que c'est ça, ça un, un concept qui touche une notion ultra sensible, en particulier en Allemagne, mais aussi en Europe, en Europe centrale, pardon, et dans, dans certaines capitales du nord de l'Europe. Et cette, cette corde ultra sensible, c'est la relation transatlantique. Euh, après après l'élection de, de Trump, c'est pourtant Angela Merkel qui a dit la première, euh, il va maintenant falloir que nous prenions notre destin entre nos mains. Mais au moment de passer à l'acte, elle a toujours freiné euh, des quatre fers, euh, en réalité. Et, et, et longtemps, les Allemands sont restés sur le, en tout cas, les élites allemandes sont, sont, sont restés sur le déni, sur le délitement de cette relation avec les États-Unis, alors que les Français le, le, le vivent de façon beaucoup moins traumatique. Et Macron encore moins, puisque lui, il voit une, 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 au contraire, une opportunité pour pousser sa stratégie d'autonomie européenne. Du coup, lorsque l'Europe se retrouve épicentre de la pandémie, il y a un an, Emmanuel Macron saisit la balle au bon. Et c'est un épisode, je crois, très révélateur de, de, sa, de sa façon, de, 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 sa façon de, de mettre en œuvre sa, sa vision. Euh, les deux premières semaines de cette pandémie, vous vous en rappelez bien sûr, sont catastrophiques pour l'Europe. La panique s'empare des gouvernements des, des États membres qui ferment les frontières et vont jusqu'à se, se voler des cargaisons de, de masques. Puis la Commission se ressaisit, l'Europe reprend peu à peu le contrôle. Et Macron perçoit la catastrophe très vite, la catastrophe économique qui se profile, avec l'Italie et l'Espagne très durement touchées euh, par la pandémie, alors que Merkel, dont le pays est encore en arrière de la, de la première vague à cette époque-là, ne, ne saisit pas l'urgence tout de suite. Euh, mais Macron, euh, assisté de, de Clément Beaune, qui est encore à l'époque son conseiller Europe, qui, deviendra, qui est maintenant le secrétaire d'État aux Affaires européennes, et Bruno Lebert, le ministre des Finances, entame d'intenses négociations avec Berlin pour les convaincre de mettre sur pied au niveau européen un plan de relance commun si massif qu'il implique d'emprunter au niveau européen et donc de créer une dette commune. C'est un tabou énorme pour l'Allemagne qui a toujours refusé l'idée d'une union de transfert, mais en enrôlant quelques, quelques autres États membres, Macron parvient à convaincre Merkel que si le sud de l'Europe s'effondre, eh L'économie allemande en, en, en pâtira euh, elle aussi gravement. En mai, euh, l'année dernière, Angela Merkel saute le pas et se met d'accord avec Paris sur un plan qui va être soumis à la Commission, donc, Commission qui à ce moment-là est plus, plus, plus favorable à la France, hein, enfin plus, plus à l'écoute, dirons-nous. Et puis en juillet, ce plan est adopté par les 27. Uh, Olaf Scholz, le ministre des Finances allemand, évoque un moment hamiltonien pour l'Europe en, en référence à Alexander Hamilton, qui est le premier secrétaire américain au Trésor, en, qui mutualisa les, dat, les dettes en, en, des 13 premiers États en 1790. Macron, lui, dit qu'il Évidemment, on a à cette époque-là assez tendance à, 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 à donner tout le mérite de cette démarche à Angela Merkel, parce que c'est elle qui a fait le saut. Euh, qui a coûté le plus, si on peut dire, politiquement. Mais euh, je, je pense qu'il faut que là, on peut voir qu'Emmanuel, euh, mais il faut rendre hommage au, au rôle qu'a joué Emmanuel Macron et qui récolte là finalement le fruit de trois ans d'efforts. Euh, et, et là, il a fait en effet avancer les, les intérêts stratégiques de la France. En réalité, on est encore très loin de la souveraineté européenne, qui n'a aucune traduction, traduction pardon, institutionnelle ni politique, et encore moins de l'état de l'autonomie stratégique, puisque le poids des efforts de relance économique a réduit de moitié le budget du Fonds européen de défense. Mais Macron, lui, estime avoir fait réellement progresser l'idée, alors que dit-il On le prenait pour un fou trois ans plus tôt quand il en parlait. En revanche, quand il dit, comme il l'a fait dans, dans son interview au Grand Continent, euh, l'Europe de la défense, nous l'avons faite, là je crois que c'est un peu euh, rapide en besogne. Il revendique en tout cas d'avoir enclenché une dynamique d'une Europe plus souveraine, plus unie, une dynamique qui va s'étendre à d'autres domaines, espère-t-il, la souveraineté numérique, technologique, industrielle, sanitaire, pourquoi pas avec le glissement vers une Europe de la santé. C'est une compétence qui ne, releve, qui ne relevait pas de la Commission. Et sur ce point, on peut, je crois, lui, lui donner raison, même si le fiasco du début de la campagne de vaccination montre à quel point l'Europe est encore très loin de l'autonomie stratégique. Voilà, deuxième axe. Euh, deuxième axe, donc, de euh, principal de la politique étrangère de Macron, le relancer le multilatéralisme. Macron voit la France comme une puissance d'équilibre, c'est son expression. Euh, donc, une puissance qui a des alliés, mais qui n'est pas alignée. Et qui peut parler à tout le monde. Les États-Unis sont un allié important, pas plus. Euh, les ennemis de nos amis ne sont pas forcément nos ennemis, et dans cet environnement déstructuré, il faut être agile. L'une des missions de la France, à ses yeux, c'est de refonder un cadre multilatéral, ce cadre qui prend l'eau de toutes parts et ne produit plus de résultats, alors que la plupart des défis ne peuvent être affrontés qu'à plusieurs. Euh, il appelle ça dans une de ses interviews l'ensauvagement. Il dit l'ensauvagement est reparti, c'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de règles. Et donc il faut rétablir des règles, et c'est à ce titre que la France, avec l'Allemagne et la, la Grande-Bretagne, s'est battue pour maintenir en vie le, le JCPOA, l'accord euh, sur le nucléaire iranien, pendant quatre ans après le retrait des États-Unis sous, sous Donald Trump. Alors rétablir des règles, c'est aussi repenser la maîtrise des, des armements. La, la dissuasion nucléaire est certainement le terrain le moins propice à la rupture en, dans la présidence française. Macron s'inscrit donc dans la, dans la droite ligne de ses prédécesseurs, de De Gaulle à Hollande. Aucun ne s'est écarté du cœur de, de la doctrine de la dissuasion. C'est un concept euh, avant tout politique voué à la défense des intérêts vitaux de la France. et donc ce, ce fil conducteur que l'on retrouve dans le discours que Macron prononce en février 2020 à l'école de guerre. Chacun de ses prédécesseurs avait euh, apporté, en se pliant à cet exercice imposé, euh, apporté ses nuances et ses accents propres, mais sans pour autant dévier la ligne de fond. Lui, il conjugue, pour ses, bah, voire fusionne, deux axes structurants de sa politique étrangère, le multilatéralisme et la dimension européenne. Euh, dans le contexte plus large d'un multilatéralisme en crise, euh, il... Euh, la, la, la sécurité de l'Europe se dégrade à mesure que s'érodent les, les, les dispositifs de désarmement ou de maîtrise des armements. On, on le voit avec l'effondrement du, du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, la, la perspective de sortie du traité New Start sur les armes stratégiques, qui sera finalement prolongée de cinq ans par Biden et Poutine tout récemment, les menaces de prolifération nucléaire, etc. Et au vu de ce constat, il appelle les Européens à se mobiliser dans l'action multilatérale pour la sécurité de leur continent. L'Europe doit faire entendre sa voix dans une éventuelle négociation sur l'instrument qui pourrait succéder au traité FNI, sur les, les, euh, les missiles de portée intermédiaire. Et elle doit agir pour préserver l'universalisme du traité de non-prolifération et aussi dans des, des directions nouvelles. Euh, comme le bon, je, je, je passe parce que là, <laughs> j'ai peur de passer trop de temps, d'aller trop dans les détails. Mais donc son projet de, de négociation avec la Russie d'une nouvelle architecture de confiance et de sécurité, comme il l'appelle, qui est au moment où on se parle, qui est toujours au point mort, relève aussi de cette approche. Voilà, euh, là, fidèle aussi à une, une ligne constamment observée par la France, il rejette la démarche d'interdiction générale par voie de traité des armes nucléaires, une démarche qui était appuyée par deux États de l'Union européenne, l'Irlande et l'Autriche, je crois. Euh, voilà, en fait, la doctrine reste inchangée. La France est fidèle à ses engagements au sein de l'Alliance et contribue à ce titre à la sécurité de l'Europe. Les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne et la France est liée par une solidarité inébranlable à ses partenaires européens. Ce qui en revanche est plus nouveau, ce sont les efforts euh, récurrents de Macron pour alerter les Européens sur l'urgence de penser par eux-mêmes euh, leur sécurité, de construire une culture stratégique partagée. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans, 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 dans son expression et en corollaire sa proposition d'avoir un dialogue stratégique avec ceux des partenaires européens qui sont prêts sur le rôle de la dissuasion nucléaire française dans la sécurité collective européenne. Une deuxième dimension de cette relance du multilatéralisme, c'est l'OTAN. Alors c'est évidemment sur l'OTAN que Macron apparaît comme le plus disrupteur. Euh, avec sa fameuse remarque dans une interview à The Economist en, en novembre 2019, à la veille d'un sommet de, de, de l'OTAN à Londres, euh, dans cette interview, il explique que l'organisation, euh, l'OTAN donc, est en état de mort cérébrale. Euh, en réalité, Macron, contrairement à l'interprétation qui est tout de suite faite de cette déclaration, qui choque énormément, hein, ça fait euh, Merkel, Trump, enfin, les, les, les pays d'Europe de, centrale, tous voilà une, une manœuvre française pour pour saper l'alliance atlantique. Mais ce qu'a qu voulu faire Macron à travers cette, euh, ce coup de pied dans la fourmilière, c'est d'attirer l'attention sur le comportement qu'il juge déloyal de, de la Turquie qui est membre de l'OTAN et qui a joué un double jeu en Syrie à l'égard de ses alliés américains et français, qui ont des troupes engagées aux côtés des Kurdes. Euh, si vous vous souvenez, quelques semaines plus tôt, en octobre 2019, Trump a retiré ce qui restait de, de, de troupes américaines et laissé le champ libre à Erdogan, euh, abandonnant les, les Kurdes à, à, à leur sort. Une fois de plus, Français et Britanniques se sont retrouvés impuissants. Et pour Macron, c'est bien le signe que l'OTAN est un système qui ne régule pas ses membres. Il veut éviter à ce moment-là que le sommet de Londres soit encore un sommet de plus où les Européens font le gros dos en attendant que, que les caprices de Donald Trump passent. Euh, C'est encore la France qui assume un affrontement un contentieux très vif avec la Turquie, impliquée militairement en, en Libye, en Méditerranée orientale, l'année dernière. Euh, là, à nouveau, la France est très isolée au début. Elle a du mal à trouver du soutien parmi ses alliés à l'OTAN et tout autant à mobiliser euh, l'Union européenne. Mais au bout de quelques mois, l'idée que la Turquie est un, est un fauteur de troubles a fait son chemin. Et Macron est convaincu qu'il a eu raison de sonner l'alarme et que la France était dans son rôle. Alors que reste-t-il de ces batailles sur l'OTAN Macron a posé les termes d'un indispensable débat sur l'évolution des rapports de force entre l'Europe, les États-Unis et les puissances émergentes qui s'affirment. De la même manière qu'il a, les... qu a relancé un débat avec son initiative personnelle et très unilatérale sur la Russie en invitant Vladimir Poutine à Brégançon sans même en parler à l'Allemagne. Sur l'OTAN, le secrétaire général de, de, de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a, a créé, euh, à la suite de ce sommet euh, de Londres, euh, un groupe de réflexion stratégique pour évaluer l'horizon 2030, auquel a participé Hubert Vedrin. Mais surtout, Macron en a profité pour faire avancer la cause de la défense européenne et, et l'affrontement avec la Turquie a servi d'exemple. De, euh, les Américains et, et d'autres de, de nos partenaires européens, euh, partenaires européens ne, ne cessent de poser la question, mais alors est-ce que Macron veut détruire l'OTAN Moi, je, je crois qu'il ne veut ni, bien entendu, ni quitter ni détruire l'OTAN, mais en mettant en évidence ses limites et ses dysfonctionnements, il veut placer ses partenaires euh, européens devant une évidence qui est que dans, dans un monde où les rapports de force sont plus qu'avant la dominante des, des, des comportements internationaux, il y a un espace stratégique propre pour l'Europe. Il l'explique d'ailleurs au grand continent dans cette même interview que j'ai citée tout à l'heure. L'Europe a énormément d'impensé. Sur le plan géostratégique, nous avons oublié de penser, car nous pensions nos relations géopolitiques par le truchement de l'OTAN. C'est cela l'autonomie, l'idée que nous choisissons nos propres règles pour nous-mêmes. Voilà, c'est assez, assez clair, je crois. Et euh, dernière euh, dernière... Euh, dimension, si je puis dire, de cette, de cette relance du, du multilatéralisme, c'est un recours à la fois euh, au nouveau, à des nouveaux formats et aux échappées solitaires. J'ai mentionné la Russie. C'est une ambition profonde du président Macron de renouer une relation constructive avec la Russie dans un contexte plus large de, de sécurité collective européenne et donc multilatérale. Mais cette démarche solitaire euh, s'est heurtée à deux écueils d'abord menée sans concertation préalable avec des partenaires européens qui sont pourtant les premiers concernés. Elle a été très mal perçue, malgré les efforts méritoires de Pierre Vimont chargé de, de réparer les pots cassés, oui. une fois de plus. <laughs> et l'autre, il est, il, il, il il est, est, est il ici venu ici, pouvoir. oui, oui, absolument, tout à fait. Et, et l'autre écueil, c'est euh, Vladimir Poutine que, que Macron a cru pouvoir lire. Au début de son mandat, c'est très intéressant de revenir sur euh, l'analyse que fait euh, euh, Emmanuel Macron de Vladimir Poutine au début de son mandat, enfin, au début du mandat de, de Macron, parce que <laughs> Poutine est là depuis 2000, euh, et, et, et celle qu'il en fait maintenant. On voit qu'il y a eu, euh, cette, cette analyse a, a, a évolué. Mais on voit qu'au début, la lecture, ça m'a rappelé un petit peu la lecture qu'avait eue aussi George W. Bush quand il avait dit, la première fois qu'il a vu Poutine, il a dit « j'ai regardé au fond de ses yeux et j'ai vu son âme ». Il a cru lui aussi pouvoir lire Poutine, mais finalement, aujourd'hui, Poutine n'est plus préoccupé par la sécurité de son propre pouvoir, de son pouvoir personnel, qu'il est visiblement déterminé à ne pas lâcher, que par la sécurité collective de, du continent européen. Euh, donc là, Macron n'a rien obtenu euh, sur, ce, sur cette initiative euh, russe et il n'a pas été payé de retour non plus ni sur l'Ukraine, ni sur la Biélorussie, ni sur le Haut-Karabakh cet hiver où la France a été euh, évincée, aidée pour parler, par la Russie et la Turquie qui ont fait affaire ensemble. Et à la limite, sur l'Ukraine, je pense que François Hollande avait probablement davantage avancé l'intérêt de la France en créant le format Normandie avec, avec Angela Merkel ensemble. Euh, ces échappées solitaires sont, un, sont une, une des marques de fabrique de la diplomatie de Macron, qui, qui est porteur d'une France donc puissance d'équilibre, ou Honest Broker, comme il dit quelquefois aussi. Euh, il l'a fait avec des résultats très variables au Moyen-Orient. Au début de son quinquennat, il y a eu... Ce coup d'éclat, vous vous souvenez peut-être, lorsqu'il est allé libérer Swadhariri, le premier ministre libanais, des griffes de Mohamed Ben Salman à Riyad. Sur un... Il était à Abu Dhabi en train d'inaugurer le, le Louvre. Et puis, il a fait un saut de puce. Voilà, ça s'était réussi. En revanche, il a, il, il a dépensé l'été dernier une, une énergie considérable sur la crise libanaise, sans succès, mais en ayant conscience de défendre une, une mission française. Euh, en 2019, il a aussi, pendant le, le G7 de Biarritz, puis en, en marge de, de l'Assemblée générale de l'ONU, un peu plus tard, un mois plus tard, tenté lui-même, personnellement, en s'impliquant physiquement même, en, allant, en faisant la navette lui-même d'un hôtel à l'autre à New York, euh, et il a tenté une médiation désespérée entre, entre Trump et Rouhani, et ça ça, mais ça n'a pas marché. Euh, l'autre tentative qu'il fait c'est de mettre sur pied des coalitions d'acteurs comme il dit, alors sur les grands sujets de, de biens communs euh, euh, internationaux. Euh, il fait le constat que le multilatéralisme étatique ne suffit plus. il faut élargir, il faut trouver d'autres instruments. Euh, il a été inspiré en cela par l'accord de Paris sur le climat qui était conclu en 2015. Euh, par exemple, il organise le One Planet Summit en décembre 2017 à Paris pour compenser le, re le retrait des États-Unis de, de l'accord de Paris. Et ça, c est, c est ce, ce genre d'initiative, il les prend avec des représentants des villes américaines, des États fédérés américains, des entreprises, des financiers, des fondations. C'est ce qu'on trouve aussi dans le, dans le Forum pour la paix, euh, qui a lieu chaque année en principe. Euh, il organise, après l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande il organise une initiative avec les grandes plateformes numériques pour, pour éliminer les contenus haineux euh, ou encore là dans le contexte de la pandémie on, on, on le voit très actif sur l'initiative ACT-A puis l'initiative euh, COVAX pour que les pays riches n'aient pas le monopole de, de, du vaccin à venir voilà, dernier euh, grand axe de, de la politique étrangère de d'Emmanuel Macron, et je, je m'arrêterai là, euh, c'est l'Afrique. Donc euh, nouer un véritable partenariat avec l'Afrique sur des bases neuves hein, et tourner vers l'avenir plutôt que, que vers l'obsession du, du passé, c'est une grande ambition de ce, de ce jeune président qu'il expose en novembre 2017 dans un discours prononcé devant 800 étudiants à Ouagadougou. Euh, Emmanuel Macron voit là un rôle stratégique propre à la France en raison de ses liens historiques et culturels avec le continent africain, euh, euh, bien sûr, car il prend en compte non seulement le facteur démographique, mais aussi la lutte d'influence que sont en train de se livrer en Afrique, la Chine, la Russie et aussi la Turquie. Euh, la stratégie du, du président Macron à l'égard de ce continent, où dit-il se jouera une partie du basculement du monde euh, et qu'il regrette qu'on qu voit essentiellement en Europe sous le prisme de la migration. Cette stratégie, c'est d'établir un nouveau récit des relations franco-africaines, dont l'image demeure très, très imprégnée par des décennies d'affairisme et d'ingérence. Il va s'y employer par des actes, des gestes symboliques à nouveau, des vecteurs jusque-là assez peu employés, comme le sport et, et la culture. Il met en œuvre un processus de restitution d'œuvres d'art et du patrimoine africain. Et ce geste-là, euh, avec une, une législation qui, qui, qui est passée pour appuyer ce, ce processus, et, et ce, ce, ce geste est, est plus que symbolique, euh, il, il participe de la volonté de, de Macron de réconcilier les mémoires en assumant les faces sombres de la colonisation. Il, euh, il insiste beaucoup, là, à nouveau, sur son lien. Avec, avec euh, plus jeune, avec l'histoire, il dit à Ouagadougou, il a cette phrase :« Je suis d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire. Euh, » C'est la même démarche qui est à l'œuvre avec euh, au Maghreb, avec l'Algérie. Il y a d'abord la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans la disparition du, du mathématicien euh, Maurice Audin en pleine guerre d'Algérie. Cette reconnaissance a marqué un pas important sur cette voie. Elle est suivie du rapport qu'a remis Benjamin Stora cette année à l'Élysée, et ce rapport préconise une série de petits pas pour avancer sur le terrain mémoriel franco-algérien. Des petits pas qui sont déjà, qui ont déjà commencé à être mis en œuvre. Cette démarche culturelle, historique, mémorielle, s'accompagne d'une augmentation de l'aide publique au développement qui avait été euh, diminuée sous le quinquennat de François Hollande. Mais la vision africaine de, de Macron est évidemment assombrie par l'engagement français au Sahel qu'il a hérité de François Hollande et dont il assume la continuité euh, face à une mutation et une extension du conflit. Mais évidemment, cette présent, cette, cet engagement. Euh, Très important euh, militaire français au Sahel entrave sa volonté de se, de se débarrasser des oripeaux du, du postcolonialisme d'une certaine manière. Et c'est là qu'on voit que les impératifs macroniens de sécurité et d'influence entrent parfois en collision. Sa stratégie euh, au Sahel est d'accélérer la montée euh, en puissance des armées locales du G5 Sahel et parallèlement d'internationaliser la présence militaire française en recrutant des partenaires européens, assez laborieusement, il faut le dire, notamment dans la force Takuba, de force spéciale. Voilà, on le voit, là aussi, Emmanuel Macron a vu une occasion de renforcer l'autonomie stratégique européenne, tout en, tout en comptant sur la continuité de l'aide technique américaine, essentiellement sous forme de... essentielle, pardon, cette, cette aide technique est essentielle sous forme de drones et de, et de capacités de renseignement. Et donc, on retrouve jusqu'en Afrique ce même vecteur stratégique de l'action diplomatique de, de Macron qu'il situe dans le temps long. C'est une autre expression qu'il affectionne. Euh, une manière sans doute de, de faire comprendre qu'il lui faudra un autre quinquennat, je pense. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Quelques réactions. Oui, il faut sans doute de, de la durée parce que ce qui frappe, et notamment dans, dans l'analyse que tu as conduite, c'est quand même la lucidité des constats. Euh, la, lucid... À la fin, la lucidité du constat sur la nécessité pour la France de tourner une page dans sa relation avec l'Afrique, la lucidité du constat sur la nécessité pour les Européens d'être davantage acteurs stratégiques, d'être les maîtres d'œuvre de, de leur destin, euh, euh, que ce soit dans, dans, dans beaucoup d'autres domaines que tu as, as évoqués, sur la, la problématique de, de l'OTAN ou, 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 ou la relation avec la Russie. Alors, moi, ce qui me frappe, j'allais dire, c'est, voilà, il faut savoir être Chateaubriand ou Napoléon dans la personnalisation d'une politique. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas, en tout cas au départ, je pense peut-être une maladie, un peu à un stade infantile du macronisme, d'une politique un peu égo, égotiste, un peu tournée sur elle-même. Il n'est pas le seul, hein, il y a d'autres mm -hmm. euh, moments, d'autres, notamment de ces quinquennats qui ont manqué de durée, hein, qui sont tous, tous pris un peu dans cette on croit qu'on va pouvoir parce que soi-même on est un acteur nouveau tout changer. et quand je regarde quand même les alors toi qui a été euh, et en Asie en regardant le, toutes les, les veilles de la Chine et qui le, le commente régulièrement ou, et qui a connu aussi aux États-Unis les grandes machines diplomatiques c'est vrai qu'on se demande contrairement aux anglais les anglais ont vécu leur appareil le foreign office a vécu difficilement le Brexit mais post Brexit mm -hmm. ils se sont tous mobilisés sur euh, des orientations certes politiques, mais de manière professionnelle. Pareil pour les Américains. Donc, et, et là, il y a quand même une preuve un peu naïve, presque d'incompréhension, notamment dans le discours aux ambassadeurs sur l'état profond. Est-ce qu'il y a un état profond ou est-ce qu'il y a en France quand même la difficulté de mobiliser un appareil diplomatique de grande qualité, mais évidemment qui ne peut être mobilisé efficacement que dans la durée, sans changement de pied, euh, voilà. Et, et les échappées, je pense qu'elles sont justifiées, de avait des, des grandes échappées, quelquefois en, en sachant qu'elles euh, ne seraient pas forcément poursuivies euh, d'autre chose que d'un acte symbolique. Euh, donc le Liban, bah oui, ça dit quand même quelque chose. Euh, Mitterrand avait des échappées aussi quand il va à Sarajevo. C'est des échappées, elles ont... Je pense qu'elles sont utiles parce que euh, tout d'un coup c'est une intervention extrêmement spectaculaire qui crée un choc et sur lequel on peut quelquefois euh, construire parce que le changement de pied a été favorable, mais pas toujours. Mm -hmm. euh, donc ça, je pense pas que ça. Il me semble pas que ce soit ça qui soit. Euh... Euh, le, le, le critiquable, ce sont des moments euh, et, et tous les, les chefs d'État euh, de, de diplomatie qui sont forcément personnalisés à l'heure actuelle le, le pratiquent, mais c'est cette question du hiatus entre l'incarnation voilà, d'une diplomatie et euh, la nécessité de, de mobiliser un appareil de façon euh, professionnelle qui me, qui me semble poser problème, pas d'ailleurs qu'à lui, hein, je dirais. Mais, et le, 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 la, la nécessité de gérer des crises, qui en plus de ça absorbe beaucoup de temps politique, renforce encore ça. Parce qu'on est dans un temps euh, mmh. très court de mobilisation, de, de réaction en temps réel. Euh, donc ça, c'était peut-être un premier point que je voudrais discuter avec toi. Le, le deuxième, il est euh, au fond sur ce qu'on vit en, en, en ce moment, c'est-à-dire que dans, dans le débat sur l'Union européenne ou sur l'OTAN, est-ce euh, que après le Brexit, euh, après Trump, j'allais dire aussi après Merkel, parce qu'elle est partie de demain, mmh. euh, la décantation se sera, sera faite pour... Construire quelque chose de plus cohérent quant à la défense collective des Européens, que ce soit dans l'Union ou dans l'OTAN, est forcément en synergie des deux. La défense européenne, elle est, elle est à la fois construite dans l'OTAN, mais elle ne peut pas exister sans un pilotage européen, ce qui veut dire des progrès dans, le, dans, dans la possibilité de discuter ensemble des grandes questions stratégiques de sécurité et de défense. Donc est-ce que c'est une phase de décantation ou au contraire qui vient recomplexifier euh, la donne euh, pour reparler de, de ces questions. On avait cru à un moment effectivement sur euh, qu'on que allait pouvoir thésauriser sur euh, bah, euh, le, 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 ce que le discours de Trump avait un mm -hmm. peu d'effrayant sur euh, les suites de la commission euh, Juncker, l'autonomie, la création du Fonds européen. Et puis peut-être la troisième réaction, hein, mais tu, tu, tu prends comme tu veux ces mm -hmm. réactions pour y répondre, c'est quand même la difficulté pour Macron, alors vis-à-vis -vis de l'Afrique, de se réenfermer, même s'il veut tourner la page, dans, un pro... dans une problématique identitaire, colonisée, euh, décolonisation. Et ce qui renvoie forcément à un débat en interne particulièrement, euh, particulièrement difficile, et ce qui, d'une certaine manière, vient rééclairer ce qu'il veut faire dans, je pense, ce qu'il essaye de trouver, une transition sur l'intervention française au Mali, dans la bande saharo-sahélienne, pour passer des relais politiques et militaires. Donc est-ce qu'il ne s'enferme qu pas dans ce discours, dans une vision qui est, à mon avis, insuffisamment objective au plan politique et de la position française, mais aussi des attendus et des considérants de ses partenaires africains. Euh, alors, sur l'appareil sur diplomatique, et, je me souviens, justement, en parler de Pierre Vimon tout à l'heure, et, et lorsqu'il est venu, vous avez eu une conversation très intéressante sur, le, sur la cellule diplomatique et le, sur l'articulation de la cellule diplomatique de l'Élysée et, et, et du Quai d'Orsay. Et, et il faisait cette comparaison avec le, le National Security Council aux, aux États-Unis, auprès de, à la Maison Blanche. C'est vrai qu'il y a là, on sent euh, on sent cette cette, cette difficulté d'articuler ces, ces deux bras de l'appareil diplomatique français, en effet. Euh, et, et en relisant les discours justement avant de venir ici et celui de 2019, je crois, où il Parle de l'état profond et est quand même très très raide quoi, très dur pour. Je crois qu'il a été perçu comme tel <laughs> par les destinataires euh, parce qu'il il les accuse ouvertement de, en gros, de saboter son travail sur la Russie en leur disant bon, je sais que beaucoup d'entre vous euh, ont déjà euh, ont fait leur, en, en, en gros, ont fait leur classe pendant la guerre froide, mais maintenant on passe à autre chose et voilà. C'était assez étonnant, je trouve, comme enfin d'ailleurs tout était très remarqué euh, comme intervention, et, et, et c'est étrange de la part d'un chef d'État euh, en effet très très impliqué dans l'action extérieure d'avoir de, de, des paroles publiques de défi comme ça sur son à l'égard de son appareil diplomatique. Euh, là, là, sur le sur ces échappées. Euh, mais on ne, sent pas, on ne sent pas une volonté de réformer ça structurellement oui. ou organisationnellement. Oui, oui, oui. Et ça, c'est vrai qu'il ne suffit pas, en effet, de dire, écoutez, vous sabotez mon travail, mais je ne fais rien pour, oui. euh, pour travailler autrement ou pour m'y prendre autrement. Euh, sur ces échappées solitaires, moi, ce que je trouve, ce n'est pas tellement le fait qu'il soit allé au Liban, euh, euh, parce qu'en plus, c'est vrai que le, la, la, personne ne lui a vraiment reproché, d'ailleurs, et, et la, le lien qui existe très profond entre la France et le Liban pouvait justifier cette cette dépense d'énergie, et même la situation est tellement désespérée que ses chances de réussite n'étaient pas euh, très grandes. Mais je, je crois que, ce, que je, ce qui est plus, euh, je trouve, difficile, euh, c'est la, la manière dont il s'isole lui-même vis-à-vis de ses partenaires européens. Si on a un agenda pro-européen, si on veut vraiment agir pour la souveraineté européenne, c'est étonnant qu'on n'essaye pas de rassembler davantage autour de soi. Et son, son initiative russe est typique pour moi, c'est-à-dire qu'il n'en a même pas parlé aux Allemands. Euh, je parle pas des Baltes ni des Polonais qui évidemment sont en première ligne et auraient été très contents d'être informés. Alors quand on leur dit ça, au, au, enfin dans, dans son entourage, on nous dit oui mais vous savez, c'est fonctionner à 27 c'est très compliqué, si on commence à demander l'avis de tout le monde, euh, on, on, ça prend tellement de temps, c'est tellement lourd, etc., qu'on ne, ne fait jamais rien. Il y a d'autres, entre, entre rien du tout et 27, il y a peut-être un moyen terme et il y a peut-être au moins quelques partenaires essentiels qui peuvent être euh, mis dans la boucle avant de, de, de lancer les, les premières. Euh, euh, les premiers gestes et qui t'a envoyé, Pierre envoyé après pour pour réparer les dégâts. Euh, voilà, je, je suis pas sûr que euh, l'initiative aurait réussi pour autant puisque de toute façon avec, je crois qu'avec Vladimir Poutine c'est assez compliqué. Mais euh, on voit dans la démarche euh, quelque chose qui n'est pas multilatéral justement, qui n'est pas collectif et qui fait que la France euh, se retrouve souvent isolée. D'ailleurs. Quelqu'un comme Clément Beaune le reconnaît a posteriori, et c'est tout à son, à son honneur d'ailleurs, euh, c'est la même chose sur, larges, sur la question de l'élargissement de l'Union européenne. À un moment, la France s'est trouvée à contre-courant, il y avait une grosse pression pour élargir aux pays, à certains pays des Balkans occidentaux. La France, avec de très bonnes raisons d'ailleurs, enfin des raisons tout à fait légitimes, euh, S'est est opposée, mais la fait toute seule, sans, à nouveau, sans concertation. Sans... Et, et donc ça, ça cause un tort, euh, je, je crois que ça, ça un tort assez important euh, à, à la diplomatie française et à sa capacité d'action, surtout. Euh, sur le, la décantation, je, je trouve ce, de, de, de ce moment et de ce débat, euh, ce débat sur l'autonomie stratégique, je trouve assez fascinant, parce que finalement... Euh, ça évolue. Je trouve qu'il euh, il décante justement. Alors c'est un débat compliqué parce que personne ne sait vraiment, à commencer par Emmanuel Macron lui-même, personne ne sait vraiment définir ce que c'est que l'autonomie stratégique, est-ce que c'est différent de la souveraineté européenne, euh, en quoi ça consiste, comment on le met en œuvre, etc., comment on la met en œuvre et tout, quelles sont les conséquences. Mais avec, à l'occasion du, du changement de, de, de présidence à, à Washington, c'est un, un, pendant la transition, il y a eu énormément de discussions là-dessus, entre, entre experts, hein, entre chercheurs, entre experts, tout, américains et, et européens, et on voit que les américains sont, sont sont preneurs d'explications, ils sont intéressés, en même temps ils sont inquiets, c'est-à-dire qu'ils disent ben, on a tellement à faire et on est tellement maintenant fixé sur la Chine, l'Asie, l'Indo-Pacifique, que, que finalement, si les Européens s'occupaient un peu de mettre de l'ordre dans leur propre voisinage, plutôt que de nous demander à chaque fois de le faire, ça nous libérerait, ça serait beaucoup mieux. Euh, et, et ça, c'est quelque chose évidemment à quoi Emmanuel Macron est tout à fait prêt, d'autres Européens le sont un peu moins, mais commencent à comprendre que ça peut être nécessaire. Euh, mais au moment où on dit Ah, bah oui, bah on va peut-être le faire, à ce moment-là, les Américains disent Non, mais attendez, euh, euh, c'est pas bien pour l'OTAN, c'est pas bien pour. Voilà, donc c'est un peu toujours là, on a l'impression de tourner en rond. Mais en réalité, je ne crois pas qu'on tourne ouais, je... en rond, je crois qu'on avance, se décante, hein, hein. ça se décante. Euh, euh, en effet, on, on avait l'impression que Trump poussait dans cette direction, il y avait même cette, cette idée. Euh, pas sérieuse je pense mais qui était à un moment avant l'élection américaine qui était que finalement ça serait pas plus mal pour l'Europe que Trump soit réélu parce que ça nous obligerait à vraiment nous prendre en main bon je crois que c'est bien mieux pour tout le monde que ça soit Joe Biden qui ait gagné et qu'on n'ait pas quatre ans supplémentaires de Trumpisme parce que les dégâts sur l'environnement international étaient quand même assez ravageurs mais euh, euh, voilà, il faut, il faut arriver à, 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 à faire aboutir ce débat. Et avec quel leadership C'est l'autre question, en effet. Euh, on, on a toujours cette question de pilotage européen, de, de mode de décision qui est quand même assez lourd et paralysant. Euh, voilà, c'est assez drôle aussi quand on dit la souveraineté européenne, mais. Mais la souveraineté européenne, politiquement, elle n'existe pas. Il n'y a pas d'organe exécutif élu directement. Le, le Parlement européen, c'est un peu, c'est un organe représentatif, mais enfin un peu à mi-chemin. Voilà. Donc euh, euh, tout ça est encore quand même assez mmh. théorique et, et, et assez lointain, même si c'est tout à fait fascinant. Et je crois, honnêtement, que la crise sanitaire euh, nous oblige à, à, à regarder encore plus en face, parce que la souveraineté, évidemment, européenne, ça n'est pas seulement en, en termes de sécurité, hein, c'est aussi, et d'ailleurs, ça, ça peut être aussi en termes, euh, dans, dans la négociation climatique, c'est très important aussi, dans le numérique, évidemment, on y est déjà très engagé, enfin, dans, dans, ce, dans ce, cette démarche. Euh, et donc, je crois que sur. Euh, cette, cette prise de conscience à laquelle nous mène cette crise sanitaire à savoir que l'Europe n'est absolument pas souveraine, sanitairement, ni euh, pharmace, pharmaceutiquement ni enfin, ouais, euh, peut avoir un, un, un effet assez, assez salutaire. Sur l'Afrique, euh, c'est une question euh, euh, passionnante mais extrêmement difficile et c'est vrai que là les, les, on a un choc du, du, de la dynamique intérieure et de la dynamique extérieure. Euh, C'est un choc sur le plan intérieur qui est influencé par ce qui se passe aux États-Unis, bien entendu, euh, dans les milieux intellectuels, universitaires, euh, etc. Euh, mais euh, il, y a eu, euh, il devait y avoir cette année cette, euh, cette saison culturelle Africa 2020 oui. qui a lieu, je pense, euh, mais à bas bruit malheureusement à cause du Covid, parce qu'il devait y avoir plein de manifestations culturelles, de historiques, de débats, de. Euh, et, et c'était une c'était une idée je, je pense d'Emmanuel de, Macron qui en effet pouvait favoriser un dialogue entre les sociétés africaines et françaises, euh, les intellectuels, les artistes à des niveaux très intéressants oui, oui, oui. Euh, en dehors de ce champ soit politique, soit universitaire, euh, de manière plus ouverte. alors peut-être que ça pourra s'étendre au-delà de une fois que la, la crise, je ne sais pas du tout, ou une fois que la crise sanitaire sera terminée, mais euh, il, il, ça va être, ça va être long et très compliqué, en effet. Alors, est-ce que tu acceptes que nos étudiants, <laughs> <laughs> alors Maxime, voilà, pose les questions. maintenant euh, bonjour, du coup euh, vous avez rappelé que depuis le début du quinquennat, la politique extérieure de la présidence de la République s'inscrivait plutôt dans la continuité dans la bande sahélo-saharienne. Et aujourd'hui on se rend compte que l'action française a tendance à s'essouffler dans la zone et que la réponse multinationale n'est pas vraiment au rendez-vous. Et du coup selon vous, faut-il commencer à dresser un constat d'échec de la politique sécuritaire, voire de la politique d'influence de la France au Sahel Je vous remercie. Je réponds à la première oui. question. Oui. Euh, ça, je sais que les, 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 au ministère de la Défense, enfin les autorités françaises et les militaires, je crois, détestent qu'on fasse le parallèle avec l'Afghanistan parce que le, évidemment le Sahel, c'est pas l'Afghanistan et les États-Unis sont pas la France, etc. Il y a toujours des différences, mais il euh, y, y a quelque chose, il que y, y a un parallèle, je trouve, assez frappant, c'est que euh, ça n'est pas satisfaisant. Ça n'est pas une réussite. On n'a pas les succès sont, sont limités ou alors ils existent. Il y a des succès, mais aussitôt les problèmes se déplacent. Euh, euh, je parlais tout à l'heure de mutations. Il y a visiblement des mutations conflit, de, de, du conflit qui sont très importantes et qui euh, ne correspondent plus à, 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 à l'origine aux raisons qui ne correspondent plus exactement aux raisons qui ont justifié l'intervention au départ donc ça n'est pas on ne peut pas dire qu on a qu'on a gagné ou qu'on gagne qu'on a réussi mais si on n'était pas là ça serait sans doute encore pire voilà et, et la France se trouve finalement pardon devant cette euh, ce dilemme elle ne peut pas partir elle ne peut pas partir euh, mais si elle reste elle ne gagnera peut-être pas, et je crois que le, le, le général lecointre le dit assez, assez directement. directement. Euh, il faut savoir qu'il y a des guerres qu'on ne gagne pas. Euh, voilà après. excusez-moi. après, euh, il faut pouvoir l'expliquer à l'opinion publique. Euh, visiblement il y, une opinion, il y a une évolution dans, dans l'opinion publique je crois que c'est un phénomène assez, assez habituel ça fait combien donc 8 ans 7 ans huit ans que, que nous sommes là-bas hein, que la france est engagée au, au sahel euh, euh, donc euh, il y a c'est très intéressant d'ailleurs en France cette espèce d'appui consensuel qu'il y a pour les opérations à l'extérieur, militaires à l'extérieur. Mmh. Euh, les Allemands ne comprennent absolument pas ça évidemment, et, et d'autres de nos partenaires européens ont du mal aussi. Mais là, on voit qu'il euh, y a une, évidemment quand il y a des victimes euh, et il y en a euh, régulièrement, euh, militaires, euh, on voit qu'une certaine lassitude et incompréhension s'installe dans l'opinion publique européenne euh, française, pardon, alimentée, je dois dire, par une assez faible communication politique sur le sujet. Je ne sais pas à quand remonte le dernier débat parlementaire sur, sur l'engagement français au Sahel, mais ça, c'est une autre spécificité française. On, on, on débat assez peu de, de, de nos engagements extérieurs. Sur l'implication des. Et je le, et je le regrette d'ailleurs, je dois dire que c'est vraiment. Oui, C'est vraiment regrettable. Oui. L'article 35 qui avait été fait pour justement favoriser une intervention du Parlement fait que le. On est obligé d'avoir un débat avec le Parlement dans les quatre mois qui suivent l'intervention. Mm -hmm. Généralement, ce qui se passe, c'est que l'intervention de Vive Force, au bout de quatre mois, réussit. Mais après quatre mois, ce n'est pas suffisant pour savoir. Donc, il y a une autorisation qui est donnée à, à l'opération qui est conduite. Et évidemment, dans, le, dans, le, dans la durée, il n'y a pas les rendez-vous. Oui. Ils peuvent, à l'occasion d'un débat, etc. Mais il n'y a pas d'obligation à revenir sur un vote. Oui qui cristalliserait sans doute davantage les positions politiques que simplement mmh. un débat. maintenant, je pense que ce que tu as dit, il y a des guerres qui n'ont pas besoin d'être gagnées militairement comme on le conçoit pour avoir leur utilité en termes de stabilisation, etc. c'est voilà, c'est une autre mmh. façon aussi de, de considérer ce mmh. conflit. Dont, dont les défis euh, sont davantage politiques, enfin, ils sont militaires et sécuritaires, mmh. mais ils sont aussi d'abord politiques. Comment trouver une issue euh, à cette histoire Oui, euh, là, on est tous d'accord que la solution ne peut pas être que militaire, euh, mais la solution politique, comme toujours, est, est, est très compliquée. Alors, il y a l'autre aspect de, de votre question, c'est l'engagement des, des Européens à côté des, à côté des Français. Il est quand même assez timide. Enfin bon, le, le, le gouvernement aime bien dire qu'on en a beaucoup plus qu'avant, etc. Ce qui est vrai, il y a des Estoniens, il y a des Tchèques. Euh, bon, c'est quand même pas énorme. Euh, on a eu beaucoup de mal à les faire venir. Euh, euh, il y a une évolution parce qu'au début, j'étais vraiment considéré comme une intervention qui était dans l'arrière-cour française, dans d'anciens pays, d'anciennes colonies. C'était vraiment notre. notre euh, à faire à nous et, et, et progressivement a réussi à s'installer l'idée que c'était quand même dans l'intérêt de l'Europe euh, et que la France ne faisait pas seulement ce, ce, ce travail pour, pour elle-même. Mais euh, voilà, pas, je pense que ça pourrait. Euh, ce n'est pas non plus une réussite. Euh, euh, on n'a pas réussi à rallier autant d'appui qu'on aurait voulu le, le faire, je pense. Merci. Maxime Le Guet oui, bonjour Madame Kaufmann. Euh, vous avez rappelé euh, l'importance du volet euh, européen dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017. Euh, et justement, j'aimerais revenir avec vous, avoir votre avis sur ce, sur ce bilan européen. Vous, vous en avez parlé. Le discours de la Sorbonne en 2017 qui avait suscité un enthousiasme euh, et qui portait en lui un, un, un projet ambitieux. Aujourd'hui, en 2021, trois ans et demi après mmh. que ce discours ait été prononcé, et à l'heure de, de faire, commencer à faire le, le bilan euh, du quinquennat d'Emmanuel de, de Macron, euh, diriez-vous que d'une certaine manière, euh, Emmanuel Macron a échoué à fédérer et à rallier euh, les Européens à sa vision et à son projet et à ce projet ambitieux Je pense notamment sur les, les questions de défense. Même s'il est vrai, et vous l'avez rappelé aussi, il y a eu l'obtention du Fonds européen commun. La collaboration franco-allemande euh, avec le SCAF, mmh. encore que euh, les discussions entre les deux parties sont mmh. parfois compliquées pour, pour manier la litote. Est-ce qu'au fond, ce n'est quand même pas un échec pour lui au, et par la force des choses euh, pour la France voilà, d'adhérer à cette culture stratégique partagée comme vous l'avez rappelé Je vous remercie. Mmh. Euh, merci, c'est une, <laughs> une grande question. Euh, à laquelle je ne suis pas sûre de pouvoir apporter une réponse claire ou simple. Euh, il n'a pas, comme je l'ai dit, son bilan est assez mitigé. Alors sur sur les questions, sur, il y avait tellement de propositions dans ce discours de la Sorbonne que de toute façon il n'était pas question de de les réaliser toutes. Euh, mais sur cette cet effort de faire D'instiller une culture stratégique commune. On n'y est pas, c'est clair. Euh, mais je pense qu'on a progressé. Je crois que l'Europe est un peu plus euh, tournée vers les idées françaises à l'heure actuelle qu'elle l'était il y a quatre ans, probablement. Mais pas, pas seulement grâce à, grâce à Emmanuel Macron, euh, grâce. Euh, euh, au Brexit, par exemple, parce que d'abord les, les Britanniques sont partis, c'est pas rien. Hein on en parle, c'est drôle, on en parle peu finalement en France. Les Britanniques sont toujours très étonnés qu'on soit pas non plus nous obsédés par ça. Et on n'en parle pratiquement plus, euh, mais. C'est très important pour l'Union européenne que la Grande-Bretagne soit partie. C'est encore plus important pour les Britanniques, mais ça l'est aussi pour nous. Ça nous ça nous prive déjà de 15 de notre PIB commun, mais en plus, c'est toute une culture, c'est toute une, une vision de l'Europe aussi qui était souvent négative, mais enfin qui était intéressante aussi. Enfin voilà, c'est toute une expertise euh, qui s'en va. Et donc euh, euh, là. Sur le plan de la, de la défense et de la sécurité collective, finalement, la France se retrouve la seule puissance nucléaire maintenant dans l'Union européenne, la seule, euh, la, le pays avec la, la, plus, la plus grosse capacité de projection euh, militaire, etc. Donc, euh, du coup, son influence, d'une certaine manière, se, se, euh, se, se prend de l'importance, mais... Euh, je, je, je pense que qu'aussi, on l'a dit, la présidence Trump, euh, l'attitude la, de la Russie, l'attitude la, la, de la Chine, là aussi, on a beaucoup, on a beaucoup évolué. Rappelez-vous qu'après la crise financière et les crises de la dette, euh, on a, la politique, c'était de pousser les pays du sud de l'Europe à céder leurs leur, 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 euh, infrastructures à la Chine pour pouvoir rembourser leurs dettes. Maintenant, on le regrette. Euh, on considère que c'était une erreur. enfin, je ne sais pas si les allemands le considèrent aussi facilement, mais enfin, bon, y a cette, cette idée a, 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 a fait son chemin euh, et c'est quelque chose qui, qui va plutôt dans le sens de, de la vision française. donc, il y, a, y a, je crois que l'environnement international, plus le fait que macron est arrivé à ce moment-là et quand même a beaucoup occupé le terrain. Hein, euh, euh, sur le plan de, de, des idées, parce que finalement, il est. Qui d'autre en, Fran... en Europe a une telle force de proposition euh, Ça agace beaucoup, hein, la manière dont il le fait, l'arrogance française, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sa manière un peu unila... enfin, très unilatérale souvent de, de, de bouger euh, Agace, et, et il y a beaucoup de suspicions aussi, parce que tout, évidemment, le, le soupçon, c'est que euh, la France veut. Faire, veut... Une Europe française, tout simplement, et non pas seulement une Europe européenne, voilà. Mais euh, je crois qu'il a quand même fait pas mal bouger les mentalités. Et puis, honnêtement, euh, ce, son, son, son action au moment de, sur le plan de relance européen. Alors, après, il faut voir ce que ça va donner. C'est pas d'abord cet endettement commun. Es, officiellement, c'est un one shot. Hein. C'est mmh. pas. On ne sait pas encore si ça va devenir structurel, les Allemands n'en ont pas spécialement envie, bien entendu. Euh, mais cet effort qui a été fait, la manière dont il a été salué par tout le monde, euh, je crois que c'est vraiment un pas en avant dans la construction européenne. Je, ça, je, je le pense vraiment. Sauf euh, si, ce, dans sa mise en œuvre, euh, et le <laughs> n'est pas sûr, mais bon, on ne sait jamais avec l'Europe comment ça va marcher. Sauf si la mise en œuvre ne fonctionne pas comme prévu, qu'on euh, voilà, en, on est encore à un stade où, où rien n'est tout à fait euh, entériné encore. Donc, donc euh, c est, c est, ça reste encore un, un work in progress, si je peux euh, utiliser un anglicisme. Voilà. On donc. va peut-être passer le, la parole aux internautes. On a 796 personnes qui nous suivent pour cette conférence aujourd'hui, qui ah, la reverront euh, de manière en diffusion, puisque. Oui, voilà, il y a 3500 personnes qui sont inscrites, ce qui, ce qui d'une certaine manière, bon, on tempère un peu la, la déception de ne pas être en amphi, on n'a pas l'ambiance, on n'a oui, pas Oui, oui, mais c'est un, un chiffre impressionnant. Et puis en même temps, oui. ben, ça, ça veut dire qu'on a, on a, on peut accueillir euh, mm. euh, aussi plus de monde. Et donc, c'est le moment de leur donner euh, la parole. Oui, euh, alors, de, de nombreuses questions, effectivement, ah. qui, qui rejoignent euh, un peu ce dont... Euh, nous avons discuté ensemble et vous y avez pour partie partiellement répondu, mais peut-être un auditeur qui, qui souhaite aller un peu plus loin alors et qui s'interroge sur les enjeux de la présidence française de l'Europe en 2022 et qui se demande au fond comment faire pour, ce, pour réussir. Euh, là où euh, nous avons euh, échoué et que faire, euh, que doit faire la France euh, dans le cadre de, de cette présidence voilà. Je, je, je Donc, crois Maxime, avoir. il y en a, a peut-être d'autres de, de questions pour que si vous puissiez euh, répondre à la suite. Oui, euh, il y a d'autres euh, questions, mais c'est bon, sur la bande, euh, enfin au Mali, on, a, on y a déjà quand mmh. même euh, répondu. Globalement, je crois que vous avez euh, plutôt bien balayé euh, l'arche, si, si je puis dire. Donc, il n'y euh... a pas de questions sur la Chine parce que je me suis ouais. aperçu que j'étais passé très très vite là-dessus. Euh... Euh... On se faire nos qu questions nous-mêmes. Je pense qu'il faut, oui. <rire> <rire> donc tu as à la question et tu y réponds à toi-même. D'accord. Alors sur les, la présidence française, c'est très bien de le mentionner parce que euh, j'en ai pas parlé. Euh, et c'est vrai que c'est important puisque nous avons euh, donc l'Union européenne a, a clos la présidence allemande le 31 décembre. Euh, là, nous sommes sous présidence portugaise hein, euh, jusqu'à juillet. Et ensuite, c'est la présidence slovène. Euh, et ensuite, c'est la France. Oui. Et donc, euh, cette présidence française, donc le premier semestre 2022, va coïncider avec, devinez quoi, oui, l'élection oui. présidentielle euh, française. Donc, ça va être un moment euh, très intéressant puisqu'on euh, va voir si... Euh, Emmanuel macron refait, on peut imaginer qu'il va être candidat, euh, refait campagne sur, euh, sur le thème de l'europe, comme il l'a fait euh, en 2017. et puis, bien entendu, il va essayer de, de, de faire avancer euh, euh, certains thèmes euh, en même temps pour pouvoir, euh, en même temps, <laughs> pour pouvoir, euh, probablement, enfin les, les, les mettre à son, à son tableau, si je puis dire. Alors, il y a des groupes de travail qui ont été, qui ont été créés pour, et c'est une très bonne initiative avec des experts pour aider la, la, le gouvernement français à réfléchir sur, sur les enjeux de cette présidence. Je ne fais pas partie de ce groupe, donc je ne peux pas vous dire euh, quels sont les, les thèmes prioritaires, mais bon. Euh, euh, vous vous souvenez de, de, du grand slogan de 2017 qui était l'Europe qui protège. Euh, on n'en parle plus tellement et pourtant a plus que jamais, enfin, les Européens ont plus que jamais besoin d'être protégés. Donc je pense qu'on va probablement euh, redécliner cette, ce, ce thème euh, sous peut-être d'autres euh, aspects puisque euh, il y a 4 ans, euh, personne ne voyait même cette crise sanitaire venir. Euh, et puis le, le monde a évolué aussi, donc euh, voilà. Je, la Chine va être évi évidemment aussi, enfin la Chine, pas seulement la Chine elle-même, mais l'impact de la Chine sur l'Europe et sur la sur euh, les chaînes de production, les chaînes de valeur, sur euh, euh, les acquisitions, sur les investissements. Euh, tout ça va être aussi assez important. On a vu. Donc à la fin de la présidence allemande, il y a eu la conclusion de cet accord euh, qui s'appelle l'accord euh, global sur les investissements entre euh, l'Union européenne et la Chine, qui a fait beaucoup de, de remous, euh, bon, bien sûr dans les milieux... Euh, d'experts euh, diplomatiques, etc., enfin, qui a été, et politiques, qui a été assez contestée. Donc euh, ça a été beaucoup sous l'impulsion d'Angela de, 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 Merkel. Elle, elle, elle voulait absolument, ça faisait partie des, des, des cases qu'elle devait cocher pour sa présidence, et elle tenait absolument à, à cocher celle-ci. Et euh, euh, c'était un moment euh, important pour la Chine aussi, parce que c'était donc... Euh, donc la Chine, voyant que la présidence allemande voulait boucler ce dossier avant le 31 décembre. Euh, voyez aussi une autre date approchée qui était la prise de, de fonction de Joe Biden. Donc la Chine avait aussi un intérêt à ce que euh, cet accord soit conclu avant euh, le, le 20 janvier, en l'occurrence. Donc le 31 décembre, la date butoir du 31 décembre lui convenait tout à fait. Et donc il y a eu une ouverture chinoise à un moment, parce que ce, ce dossier traînait depuis, je sais pas, trois ans, je crois, enfin, les négociations étaient en cours, euh, il y a eu à un moment une avancée chinoise qui a dit, écoutez, nous, on est prêts, euh, il a dit aux Européens, on est prêts, allons-y. Euh, et donc Angela Merkel a dit, allons-y, allons-y, et tout ça a été bouclé en trois semaines, ce qui était très étonnant. Alors, on accuse beaucoup, et, et donc Macron s'est associé. Euh, à, cette, à cette, cet accord qui, qui n'est pas encore totalement finalisé parce que maintenant il y a des tas de d'étapes de, 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 de mise en, euh, en dans un cadre législatif etc enfin tout ça prend un à deux ans m'a t-on expliqué donc c'est pas encore c'est loin d'être mis, mis en, en en œuvre, euh, mais euh, Emmanuel Macron s'est associé à la conclusion de l'accord qui s'est fait par visioconférence le dernier jour avec euh, Xi Jinping et, et Angela Merkel. Euh, et, et on a beaucoup critiqué à la fois Merkel et Macron euh, pour avoir trop cédé à la Chine, d'une part, et pour euh, aussi n'avoir pas attendu. Euh, justement, l'entrée en fonction de la présidence Biden. Et ça, c'est assez intéressant. Euh, bon, tout ça dans un contexte, évidemment, où il y a les accusations de, de génocide à l'égard des, 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 des Ouïghours au Xinjiang, où il y a la répression à Hong Kong. Donc, le, le contexte politique chinois était évidemment euh, très défavorable. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a cet argument aussi de souveraineté européenne qui s'est inséré là-dedans. Euh, parce que euh, euh, les Allemands et les Français disent, mais, et, et les dirigeants européens disent mais attendez, pourquoi est-ce qu'on aurait dû attendre les Américains euh, Eux-mêmes ont on conclu leur propre accord euh, il y a un an euh, sans avoir aucune des, 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 des précautions que nous nous prenons, puisqu'on demande à la Chine de s'engager, ce qu'elle fait un peu du bout des lèvres euh, sur euh, les protections du travail forcé, etc protection contre le travail forcé euh, et ils nous ont jamais demandé notre avis. Pourquoi est-ce que nous, on n'a pas l'autonomie de, de, de conclure nos propres accords d'investissement avec, avec la Chine Voilà. Donc ça, c'est aussi une évolution intéressante et c'est quelque chose qu'on va voir arriver de plus en plus, je pense. Dans le, on retrouve dans question, mmh. la question de l'autonomie des Européens, notamment donc voilà, dans cette... Dans cette réorganisation de la relation entre les États-Unis et la Chine. Et puis dont cette. C'est dont on ne oui. sait pas, mais là, je t'interroge, dont on ne sait pas si finalement, bon, quand on rentre, il faut rentrer sur des positions fermes, même si ça a été sur une position d'autorité. Je ne sais pas quelle a été l'expression qui a été justement contestée par la des Affaires étrangères chinoises en disant qu'on n'a pas besoin de parler dans une oui. position d'autorité ou de fermeté à la Chine, mais qui n'est que, voilà, on peut se dire on campe au départ les positions avant de les faire évoluer vers des négociations possibles. mais euh, que ce soit ce sujet là, de la relation qui est très structurante pour les américains avec la chine, que ce soit aussi la question de la sortie d'afghanistan, euh, les européens euh, voilà, peuvent aussi chercher leur place. Alors, ils l'avaient trouvé par avance en ayant ce dialogue avec la Chine et en affirmant leur autonomie. Mais il y a beaucoup de sujets dans lesquels on ne sera pas nécessairement à l'unisson, même de la nouvelle administration démocrate proche des Européens. Non, et puis on sent là, on centre avec l'administration Biden, un, on est dans un moment où rien n'est encore fixé, où les deux côtés. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que. La plupart de ces personnes se connaissent, hein. enfin peut-être pas Macron puisqu'il est trop jeune, mais euh, les, autres, oui. euh, les autres équipes dirigeantes, de, de, enfin tout ce nouveau personnel de l'administration américaine, la Maison Blanche et notamment le personnel diplomatique, Tony Blinken par exemple, oui. euh, voilà, euh, si euh, bon, on ne se tutoie pas en anglais, mais si on se tutoyait, oui. on se tutoirait, quoi. Vraiment, c'est des gens qui sont vraiment très familiers. Mais on est en train de se jauger. Euh, et ni les Américains ni les Européens ne savent vraiment encore en ce moment quelle va être vraiment leur relation euh, profonde, parce que Trump est passé par là et que ça nous a obligé à avoir une lecture. Et là, je dois dire que euh, Macron est très lucide là-dessus. À nouveau, une lecture de la relation transatlantique avant Trump, et c'est-à-dire à regarder en face le fait que euh, cette évolution, cet, cet, cet éloignement. Euh, ce relâchement de la relation transatlantique, il ne date pas de Trump. Il l'a vraiment précédé. Il remonte en fait. Moi, je, moi je le date même après à la, à, la, à la chute du mur et à la fin oh, du communisme. Ouais. Les choses ont il commencé parle, à. Non, mais... Voilà, oui. Les choses ont beaucoup évolué pendant, depuis, depuis 1989-91, euh, avec évidemment après les secousses du 11 septembre, de la guerre en Irak, etc., qui, qui ont fait bouger énormément de choses. Mais euh, voilà, on, on, on a l'impression de récupérer des vieux amis, si vous voulez. Et on est soulagé parce qu'on les connaît, ils raisonnent comme nous, enfin on, est dans, on fait partie de la même famille. Mais euh, en même temps, les choses ont changé, il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'ils étaient partis. Et donc euh, on, on, on a peur aussi. C'est vrai que les Européens sont méfiants maintenant parce qu'ils se disent bon, ils ont vu ce qui s'est passé le 6 janvier aussi euh, euh, sur Capitol Hill avec l'attaque du Congrès, etc., enfin, le, ce mouvement insurrectionnel. Euh, et ils se disent, bon, les choses peuvent quand même aller très très loin aux États-Unis, euh, qui nous dit que ça ne va pas recommencer dans quatre ans. Donc euh, y a eu, on, on sent aussi cette volonté de, de, de se prémunir quand même de la part des, des Européens et, et un peu d'incompréhension des Américains qui se disent, mais quand même, euh, on est de retour, hein, mmh. America is back, on est de retour et, et pourquoi ils continuent à se méfier de nous Voilà. C'est un peu simplifié, mais on, on, on sent un peu cette psychologie quand même <laughs> actuellement. Et alors la Chine, du coup, qui est là derrière, dont les Américains euh, disent bien que c'est leur, euh, leur priorité vraiment numéro un dans leur agenda extérieur. On voit bien d'ailleurs que, que Tony Blinken est d'abord allé en Asie avant de venir en Europe. Euh, ils en font pas mystère et c'est tout à fait normal. Mais à nouveau, du coup, les ouais. Européens là aussi sont un peu mal à l'aise parce qu'ils euh, ils sont pris en, en sandwich, si je peux dire, pour caricaturer. Euh, ils ne veulent pas être la proie de la Chine, mais ils ne veulent pas non plus être embrigué dans une une confrontation trop conflictuelle entre, entre les États-Unis et la Chine. Alors, il n'y a pas d'équidistance, bien entendu, ça ils le redisent régulièrement, c'est-à-dire qu'on est bien entendu plus proche des États-Unis parce que nous partageons les valeurs, le modèle démocratique, etc. Mais on n'est pas obligé de s'aligner sur leur stratégie si elle devient trop, euh, trop agressive. Voilà, donc on est, je crois, vraiment dans un moment assez charnière, là, qui peut, qui peut durer un peu de temps, d'ailleurs, et avec des Européens qui ne sont pas euh, ni les États-Unis ni la Chine, qui sont en plus un objet euh, non identifié, qui est l'Union Européenne, où il n'y a pas d'unité vraiment de décision, où, euh, où euh, on est divisé quand même sur beaucoup de choses. Mais euh, tu, tu l'évoquais, les calendriers politiques, les voilà. en Allemagne et en 2022 en France, où les élections. Voilà. Il y cas encore voilà il y a, encore, les, les voilà, il y a encore des élections en, en, en Allemagne en, euh, oui, au mois de septembre, mois de septembre donc, oui. euh, euh, voilà tout ça euh, en Italie ça va plutôt oui. euh, voilà tout d'un coup arrive Mario Draghi donc on se dit ah ça va être formidable ça va tout changer voilà c'est très compliqué l'Europe c'est passionnant <laughs> euh, mais c'est compliqué. Merci beaucoup, Sylvie. La, la fois prochaine, nous recevrons Laurent Colébillon, qui a été délégué général pour euh, l'armement, qui reviendra sur euh, les, les questions, euh, notamment des enjeux industriels pour la défense française, sans vous doute aussi des problématiques SCAF, hein. européennes et du SCAF. <laughs> voilà. Euh... Et puis je voulais vous, vous indiquer qu'on a reçu hier une très mauvaise nouvelle puisque François Nicolau, qui est un ami, qui est un ami de la chair, qui est venu s'exprimer, je crois notamment sur sur l'Iran ici dans un dans un débat, très grand expert euh, nous de l'Iran, nous a quitté. C'était euh, vraiment une personnalité d'une grande intégrité morale, euh, intellectuelle, quelqu'un qui avait des des engagements, des convictions. On n'êtes mmh. pas obligé de le suivre dans dans, dans tous ses raisonnements et toutes ses analyses, mais c'était à la fois un grand, un grand diplomate et un homme de bien. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler à ses côtés quand il était directeur de cabinet de Pierre Jox. Beaucoup se souviennent du rôle comme diplomate au moment du coup d'État de Pinochet au Chili, combien il avait été courageux. Et en Iran, on se souvient de son. Euh, évidemment que c'est un pays qui l'a beaucoup, beaucoup marqué. Nous l'avons Et... beaucoup publié dans le monde. Oui, oui. Plusieurs ah, tribunes. Oui. Et donc, c'est voilà, c'est un, un grand regret que, que nous annonçons sa, sa disparition. Et je proposerai au, au comité de pilotage de la chaire que. Le, le recueil de, des actes de, de ce cycle euh, lui, soit, lui soit dédié dans la revue de la Défense nationale où, comme vous le savez, chaque année, on publie l'intégralité des textes des interventions. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous euh, lundi prochain avec Laurent Collébillon. Merci encore, Merci Sylvie à Kaufmann, Merci. de cette conférence. Merci à oui. tous.